Salut tout le monde, me voici sur ARK pour essayer de récupérer des nouveaux animaux. J'aimerais bien me faire un dauphin. Et j'aimerais bien voir si je trouve pas la nouvelle bestiole, là, le gorille. Parce que j'en ai pas encore vu, pourtant je sais que ça a été implanté. Enfin là je viens de revenir, ça fait un petit moment que j'étais pas sur le jeu, mais bon. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à faire un petit mur d'enceinte, comme vous pouvez le constater. Mais bon, ça, c'est l'enfer. J'ai fait deux caves, j'ai récupéré un peu de matériel, il faudra que je filme un peu de caves. Et pour l'instant, je vais voir si je ne trouve pas un dauphin dans le coin. Normalement, il devrait y en avoir, il y en a régulièrement. Ah, revoilà. Et juste là. Vas-y, il y a un requin pas loin. Visiblement, les dauphins, ils ont la possibilité d'aller dans des endroits moins profonds. Alors, normalement, ils vont venir me voir. Ils sont assez amicaux et curieux. Hop. Alors, tac. Voilà, ça y est, je l'ai nourri. Un petit coup. Faut attendre qu'il ait à nouveau faim pour que ça revienne. Alors effectivement, j'ai vu qu'il fallait laisser la bouffe dans l'emplacement 0, celui de, qui est complètement à droite. Sinon, ça débloque pas l'interaction en fait avec la bestiole hein, pour pouvoir la nourrir, c'est un petit peu casse-pied. J'aimerais bien me faire le requin si possible, voir s'il n'y a pas de la bouffe plus intéressante dessus. Bah oui, ils sont 3. Très mauvaise idée. Ok. Donc bon, on va faire ça à l'ancienne. Tu vas bien être foutu de m'emmerder si je te laisse faire. Voilà. On parle plus. Alors par contre, c'est tous les combien de temps qu'il a faim? Ça, je ne sais pas du tout. Déjà, où est-il? Mon dauphin. Ah, voilà. On va pas te faire bouffer par les autres. Merde, c'est lequel? Il y a plusieurs. Et où? Lui est niveau 16. Ça peut être intéressant. Foutu les jetons. Non, c'est celui-là. On va continuer sur le même. Non, je peux en faire 36 à la fois. Bon, j'ai pas prévu d'en faire deux à la fois, résultat des courses, j'ai plus beaucoup de bouffe. Donc, on va chasser. Bon, ça chasse plutôt bien quand même. Sauf que j'ai du mal à tourner, qu'est-ce qu'il fait? Voilà. On va descendre. Oui, c'est vrai, j'ai plus de pioche, faut que j'en fasse une. C'est pas grave. Déjà retourner voir les. Mais il m'a suivi ce con. Oh, j'hallucine moi. Comment il a pu s'échouer? Ah ça c'est un peu saoulant parce que j'ai rien demandé, j'ai pas donné d'ordre, il le fait de lui-même, alors s'il vient s'échouer tout seul, je perds mon temps. Ça approche gentiment. Moi je suis en train de m'apercevoir, hein, je vois bien que ça. Mince. Ça a absolument rien à voir en fait avec un dauphin, donc la queue n'est pas du tout dans le. Dans le même sens que le dauphin déjà. Je sais pas ce que c'est que le poisson préhistorique ça. Bon ça va, ça se fait gentiment. Alors j'espère qu'il n'y a pas s'échoué comme eux, parce que là on est vraiment au bord de l'eau. Il était se planté là. Faudra que j'aille faire sa petite selle après. Et puis on va voir ce que ça donne. Bah, logiquement le prochain coup ça doit être le bon. Là ça devrait plus trop tarder. J'aimerais bien trouver le gorille aussi. Voilà, ça c'est fait. Bon. Alors. Hop. Qu'est-ce qu'il fout là, lui?
Bah merde. Attends, on verra plus tard pour le nom. Comment ils font pour... Et franchement... Qu'est-ce qu'ils foutent là? Y a pas de fond. Normalement ils viennent pas ici. Tiens, pas la peine, je vais me venger. Je l'ai pas gardé longtemps avant le bestiau. Ouais, il est là. Voilà. Trois petits trucs en plus. Bref. Fais chier quoi, direct ils m'ont attaqué. Alors, je vais s'élever. J'ai changé mes steaks par des méjouberry. Je vais voir si je trouve un de ces gorilles là, parce que pour l'instant j'en ai pas vu. Soit il y en a un, pas beaucoup, soit j'ai un peu de chance. Je sais pas. Ou alors je suis pas du tout dans la bonne zone. À vrai dire, je sais même pas en plus où ça se trouve, si c'est près de l'eau, sur les plages, en pleine forêt. Je pense pas que ce soit particulièrement au niveau des montagnes, j'aurais plutôt dit au niveau des plages, mais bon. Enfin, quoique, oui, forêt plutôt peut-être. Ouais. Tiens, un spino, ça aussi il faudrait que je le fasse. Ça manque à ma collection. Avec un. C'est quand même bizarre, je vois vraiment tous les animaux du jeu. D'ailleurs, il y a un sacré bordel là. Ah ouais, d'accord, ils sont en train de se foutre dessus avec des carnots. Avec un carnot, mais pour faire un feu. Enfin bref, lui je le trouve pas du tout. Je vais quand même faire les abords des montagnes, ça se trouve c'est dans le même coin que les mammouths et dans le sabre, je sais pas. Ah, c'est cette cave là que j'ai réussi à faire, j'ai trouvé le... comment ça s'appelle, l'artefact qu'il y a au fond. C'était toujours à droite, bah oh, putain. J'en ai chié, je suis mort une fois avant de l'avoir. J'ai dû revenir. Bah, je trouve les autres caves d'ailleurs. Pour l'instant j'en ai fait que deux. Bah, je parle des terrestres. Hein. Je vais un petit peu nourrir mon argentiste parce que... Mine de rien, il a plus de bouffe du tout sur lui. Voilà. Comme ça, sa jauge de faim va pouvoir remonter. Tiens, ça me rappelle des souvenirs. C'est le premier camp que j'avais fait, ça. Moi, j'étais pas si mal ici. Tiens, un spino d'ailleurs. Un petit feu de camp là. J'avais tout embarqué ou j'ai... Ah non, j'avais plein de matos. Enfin, plein. Ça va me servir ça. Ah, et puis aussi ça m'intéresserait pour pouvoir faire... Tiens, bah justement. Je vais pouvoir tout de suite transformer la matière première sur place. C'est bizarre parce que ça avait disparu dans un bug. Je m'étais retrouvé sans rien du tout. J'étais dégoûté d'ailleurs. Puis là, je vois que j'ai tout le matos qui est revenu tout seul, comme par enchantement. C'est bizarre. Bon, par contre, j'arrive vraiment pas à trouver mes gorilles. Ah, ça doit pas être commun quand même, hein, comme bestiole. J'essaie de faire un petit peu de rase mode dans les forêts pour voir si j'en trouve pas. Quand j'ai un bug, ils sont pas implantés chez moi, c'est pas possible. Et ben je reviens de nuit, ça fait deux jours que je passe, enfin deux jours du jeu, que je passe à chercher mon gorille, rien de rien. Faut que je donne à bouffer un oiseau complètement fermé.
Bizarre quand même, je comprends pas. J'espère qu'il n'y a pas un souci de mise à jour. Ou alors c'est très rare. Si quelqu'un sait, il peut me le dire. Là il reste plus cuisson sur 2008, effectivement. Il est temps de manger, de tout bouffer d'un coup. Allez, fais-toi plaisir. Je sais pas trop où les chercher, j'ai fait tout le tour. J'ai fait vraiment le sud, l'ouest, le centre. Le nord, bah j'y suis. L'est, un peu moins. Bref. Donc là, je comprends pas. Je crois que je vais me concentrer à nouveau sur un dauphin en essayant de faire un petit enclos là dans l'eau devant moi pour avoir la paix, que ça se reproduise pas comme tout à l'heure. Je regarde un petit peu la configuration du truc, j'en mets encore un là. Ensuite, je pose la porte. C'est chiant de poser ces trucs. Là, pourquoi il fait pas raccord? Voilà. Ah, on fait évoluer. Ok. On va mettre la porte maintenant. Il y aura assez de fond pour le dauphin. Donc normalement je l'ai préparé. Ah voilà. Où est-ce que je vais mettre les petits points? Ah, attends que le jour soit complètement bien levé. Enfin ça peut pas tarder. Je m'use un petit peu, je fais du colorant. Je vais peut-être m'amuser à peindre un petit peu certains murs de la maison. De l'eau. À la gourde vide. Là j'y vois assez clair, tiens, j'y vois assez clair pour aller récupérer ça aussi. Ça c'est du level 60 ça. J'espère que ouais, je vais avoir du bon matos. J'ai récupéré un patron de tourelle d'ailleurs, il n'y a pas longtemps. Alors, les balles. Bah. Voilà. J'en fous. Je l'ai déjà eu au moins 10 fois. Voilà. La porte est terminée complètement. Faut que je ferme mon mini-cercle et que je fasse un deuxième étage de bois. Encore un peu de boulot. Ensuite, j'ai plus qu'à me retamer une bestiole. Vu que dessus ça donne quoi comme taille? Ok. Je vais m'amuser un petit peu à peindre. Est-ce que ça donne? On va faire celui-là. On va faire l'intérieur. En fait, on choisit effectivement l'endroit. C'est pas foutu. Une charge de peinture sur le pinceau. Donc là, effectivement, je fais que l'intérieur, c'est la région 1, la région 6, ça sera l'extérieur. Je peux faire l'entourage à l'intérieur de l'entourage. Ça, c'est bien customisé de ce côté-là. C'est sympa. C'est sympa, c'est bien foutu. Ce que je vais faire, ce que je vais toutes les faire, j'en sais rien. Je vais voir. Ça prend le jeu ici, je vais profiter pour customiser aussi mon armure. Un petit peu de peinture. Je me rappelle plus quel coup j'ai mis, tiens, pour le selfie, c'est plein. Voilà. J'ai vite retrouvé. Putain, j'ai vraiment pas l'air aimable. Oh, c'est marrant, tiens. On va faire ce qu'on veut. C'est pas mal en nous en plus l'effet de couleur. C'est pas le truc dégueulasse, complètement blanc, il y a quand même des effets de teinte derrière, de la teinte d'origine quoi. Ah j'ai à peu près fini mon enclos sous-marin. Maintenant il me reste plus qu'à trouver la bestiole. Je pense que ça devrait suffire.
Ah, ce que j'ai réussi à attirer pour l'instant, c'est le requin. Ah, là, l'autre aussi. Bon. Allez, viens avec moi, je vais essayer de t'embarquer vers mon enclos. Ce sera le plus simple. Est-ce qu'il suit? Ouais, il suit. Par la nage, je vais mettre 10 ans. Voilà, j'ai réussi à la ramener. Puis pendant que j'y suis, je vais fermer la porte. Hein. Yes. Pendant que j'y suis, je lui file à bouffer. Comme ça avance un petit peu. Allez, je me noie. Puis il faut que je récupère de l'énergie, là, je suis crevé. Voilà, ça va mieux. Allez, viens pas. Ouh. Ouais. Voilà, j'ai réussi à lui donner un petit morceau de plus. Allez, prochain coup, c'est le bon, ça doit être le dernier. Il faut que je la coince là, pour lui donner à manger. Ah, la merdeuse. Ah! Et voilà. Allez. Me suivre, logiquement tu devrais d'ailleurs me suivre, ouais, c'est bon. Je vais te mettre un petit peu plus par là. Voilà, bouge plus, bouge plus, bouge plus, bouge plus. On va pas crever en restant trop dans l'air. Ce sera pour aller. Ok. Bon, par contre, elle, je sais pas si ça lui sert à grand chose la mangeoire. Peut-être lui mettre de la viande dans le vide. Ah bah, j'ai plus que des steaks comme ça. Ça sera des steaks. Bon, je vais boire ma petite potion pour aller sous l'eau. Ça sera fait. Bon, voilà. On ouvre la porte. Ah, ça tombe bien, j'avais un blueprint hein, pour la selle. J'ai pu l'utiliser. Wow. C'est rapide. Alors, par contre, voilà. Contrairement au croco, ça monte et ça descend vite. Ça, c'est pratique. Je sais pas ce que ça donne quand j'ai des requins au cul ou en vitesse. Ah, profiter pour aller récupérer les matières premières. Tiens, bah, un requin. Toujours pour me faire chier quand faut pas. Alors, est-ce que je le distance? Ouais, visiblement ça se passe bien. Y'a que ça. Alors, je peux sprinter avec lui. Tiens, là d'autres. Je pense que c'est peut-être un petit peu moins rapide quand même que le croco, mais c'est plus maniable. L'endurance, ça ne sent pas trop vite, je peux sprinter un bon moment. Ah, le bord de la carte. Bon, enfin, en tout cas, c'est un test concluant. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Sur ce, moi, je vais essayer de récupérer d'autres matières premières sans crever. Salut!